Voici une liste de versets bibliques dans le thème « Minute de protection divine » sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. La qualité de notre stabilité reflète ce sur quoi nous prenons appui. Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Un Samuel 25, 6. Et vous lui direz ainsi. Vis longtemps, et paix te soit, et paix à ta maison, et paix à tout ce qui t'appartient. Deux Rois 6, 15 à 16. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Psaume 18, 4. Je m'écris, « Loué soit l'Éternel. » Et je suis délivré de mes ennemis. Psaume 18, 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 35, 1 à 3. Défends-moi contre mes persécuteurs. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut.
Psaume 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 50, 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 68, 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 118, 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 121, 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Psaume 121, 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Psaume 121, 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Proverbe 3, 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe 3, 25 à 26. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 4, 12. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ésaïe 50, 8. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Luc 21, 14 à 15.
Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jude 1, 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Samuel 25, 6. Et vous lui direz ainsi. Vis longtemps, et paix te soit, et paix à ta maison, et paix à tout ce qui t'appartient. Deux Rois 6, 15 à 16. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Psaume 18, 4. Je m'écris, « Loué soit l'Éternel. » Et je suis délivré de mes ennemis. Psaume 18, 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 27, 1.
L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 35, 1 à 3. Défends-moi contre mes persécuteurs. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Psaume 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 50, 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 68, 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 118, 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 121, 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Psaume 121, 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Psaume 121, 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Proverbe 3, 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe 3, 25 à 26. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 4, 12. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point.
Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ésaïe 50, 8. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire, qu'il s'avance vers moi. Luc 21, 14 à 15. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jude 1, 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Samuel 25, 6. Et vous lui direz ainsi. Vis longtemps, et paix te soit, et paix à ta maison, et paix à tout ce qui t'appartient. Deux Rois 6, 15 à 16. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. »
Psaume 18, 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Psaume 18, 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 35, 1 à 3. Défends-moi contre mes persécuteurs. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Psaume 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 50, 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 68, 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 118, 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 121, 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Psaume 121, 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Psaume 121, 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
Proverbe 3, 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe 3, 25 à 26. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 4, 12. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ésaïe 50, 8. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Luc 21, 14 à 15. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité? Ou le péril ou l'épée. Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jude 1, 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point.
1 Samuel 25, 6. Et vous lui direz ainsi, « Vis longtemps, et paix te soit, et paix à ta maison, et paix à tout ce qui t'appartient. » Deux Rois 6, 15 à 16. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Psaume 18, 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Psaume 18, 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 35, 1 à 3. Défends-moi contre mes persécuteurs. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Psaume 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 50, 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 68, 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 118, 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Psaume 121, 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Psaume 121, 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Psaume 121, 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Proverbe 3, 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe 3, 25 à 26. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 4, 12. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ésaïe 50, 8. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Luc 21, 14 à 15. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité? Ou le péril ou l'épée. Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jude 1, 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse.
Je prie qu'en écoutant ces versets, ils puissent susciter en nous la foi et une lumière dans les cœurs. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.